suis très impressionné, vraiment. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de membres de ma famille aujourd'hui présents. Ben merci. Hein. C'est fini. Alors je me présente, Steven, j'ai 24 ans et je suis riche, beau et intelligent. Ouais. C'est rêve, hein, je te rassure, peut-être pas tout de suite. En réalité, je suis pas trop vilain. Je suis à découvert et j'ai tendance à répéter toutes les erreurs que j'ai déjà commises 100 000 fois encore. Comme on dit, l'intelligence et moi, ça fait plus de cœur. Ah, non, j'ai oublié un truc. Je fais partie de chacune de vos familles. À toi, à toi, à toi au fond, là. À toi aussi. Je fais partie de vos familles. Vous êtes en train de vous dire, mais il a pété, il a craqué. Eh ben non. Mais je vous laisse cogiter là-dessus. Et puis comme je fais partie de votre famille, eh ben je vais me présenter, je vais vous raconter un peu mon histoire. Comme ça, vous aurez appris à connaître un membre de votre famille supplémentaire. Donc je suis ce qu'on appelle un ch'tignonné. Qu'est-ce qu'un ch'tignonné ? C'est un mec qui a grandi 50% de sa vie dans le nord de la France et l'autre partie à La Réunion. Donc mes parents sont originaires du nord de la France pour mon père et de La Réunion pour ma mère. Et donc j'ai grandi d'abord dans le nord, je suis né là-bas. Et pour vous donner un petit exemple, vu que le public est principalement réunionnais, j'imagine que pas grand monde ici a déjà été près de Lille. Je me trompe ? Ok. Alors, pour vous donner une idée, fermez les yeux. Rappelez-vous 2009, Gamed. Il y avait l'alerte rouge. Donc vous êtes en pleine alerte rouge et puis vous dites, tiens, je vais aller faire un petit saut dehors. Là, vous sortez dehors. Il n'y a personne, à part une ou deux voitures qui passent, les pompiers. Ben ça, c'est l'ambiance qu'il y a dans le nord de la France, en plein mois de juillet, en pleine vacances, alors que il fait beau, il fait 30 degrés. Donc voilà, je vous bienvenue dans le nord de la France. Donc, je vous laisse un peu imaginer la grosse ambiance qu'il y a. Hein. Puis ensuite, donc, vers mes 13 ans, c'était un dimanche, je m'en souviens très bien, en plein mois de février, donc il faisait bien froid, mon père me fait « bon ben allez, on va aller rendre visite à mes parents, et on va leur faire une petite blague, on va leur dire qu'on va déménager à La Réunion. » Alors moi, je suis assez d'ailleurs. Et donc du coup, je suis parti, je l'ai accompagné, puis j'ai joué le jeu. Alors ses parents, ils ont commencé à faire « mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez pas tout vendre pour aller là-bas, c'est un peu débile. » Et nous, on jouait le jeu. Ensuite, on rentre à la maison, on leur dit rien. Puis sur la route, mon père me dit « on va encore le faire, on va le faire à la famille. » Alors du coup, on arrive à la maison, puis à mes sœurs et à ma mère, on rejoue le jeu. Et puis bizarrement, alors la blague, je sais pas si c'était sur un coup de tête ou sur un coup de whisky, mais mon père finalement commence à parler sérieusement. Et 4 mois plus tard, je me retrouve parachuté dans un avion, direction La Réunion. On avait tout quitté. On avait vendu la maison, vendu les voitures, mon père avait quitté son travail, et on avait quitté notre famille. Direction La Réunion, le rêve. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un grand rêveur, alors moi je me voyais déjà rentrant le soir de l'école, accompagné de deux petites jeunes nanas, aller sur la plage, aller faire un petit peu mes devoirs, un petit jus de coco, enfin un grand rêveur, hein, un grand rêveur. La réalité, elle était un peu différente. Alors, on est dans l'avion, hein. Vous me suivez, on est dans l'avion, on arrive, donc on commence à voir, il était 4h du matin, on commence à voir toutes les lumières de Saint-Denis, la montagne, c'est magnifique, je suis en plein rêve, je suis tout excité, j'ai 13 ans, puis j'arrive à La Réunion. Et puis, on atterrit. Et là, mon tonton m'attend. Alors, j'étais très content de le voir. Puis, il me voit avec plein de lumière dans les yeux, plein d'étoiles. Puis, mon tonton, il me fait mon garçon, il est en train de rêver ou bien rêve. Mm-hmm. Ah, oui, carrément. Il fait ça, il fait rêve ou encore, voilà. Il m'emmène à où le port. Le port ? En forme ! Moi, je le voyais déjà avec des yachts, des cocotiers, une plage. Ouais. Bah pour ceux qui nous suivent sur internet et qui ne savent pas du tout ce que c'est le port, c'est le 9-3 de La Réunion. Mon pire souvenir là-bas, c'était une fois, en plein mois de décembre, je vais rendre visite à mon tonton, et là, je suis bloqué par une voiture derrière, deux cagnards en train de se taper dessus à coups de sabre avec des motos. Grosse ambiance. Mais il y a eu d'autres souvenirs aussi au port. Un peu mieux. Je dirais même beaucoup mieux. Une semaine après, je suis arrivé à La Réunion. Il y a mon tonton qui me fait « Écoute,
On est invité ce soir chez ma belle famille, donc des gens que je ne connaissais ni d'elle ni d'Adam. Donc tu vas venir et puis on va aller faire une petite grillade sur le front de mer du port. Et bizarrement, quand je suis arrivé là-bas, ben, ma belle famille, enfin sa belle famille, pas la mienne, m'a considéré comme si j'étais de leur famille. Et ça m'a beaucoup touché parce que quand quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui vous découvre et vous dit écoute, je ne m'appelle pas madame, non, mais prie à moi taxi, ça touche. Et vous voyez, ben, le petit garçon que j'étais, il a commencé à faire plein de choses. J'ai eu 3 mois dans lesquels j'ai découvert un autre monde. Quand je suis arrivé, je m'étais dit, de toute façon, ce sera comme en métropole, sauf que ça sera différent. Mais pas du tout. En métropole, on a quoi? On a une seule culture. On s'assimile ou on s'assimile pas. Sa culture, si elle est différente, on va la vivre chez soi et on va éviter de la montrer aux autres. À La Réunion, je m'étais dit, ben, il y aura qu'une culture, il y aura une culture réunionnaise. Ben, je me suis trompé. Le jour où je m'en suis rendu compte, c'était le jour de la rentrée quelques mois plus tard. Donc c'était aux alentours du 20 août. Déjà, j'étais un peu frustré d'avoir ma rentrée le 20 août alors que j'avais l'habitude de l'avoir le 4-5 septembre. J'arrive donc dans le collège Polerman à Saint-Pierre. J'avance, j'arrive dans ma classe. Et là, waouh, un arc-en-ciel. Il y avait des Arabes, des Malbas, des Chinois, des Yabs, des Oreilles, des Calfs. Je me suis fait, mais c'est quoi cette classe, quoi? Je sors d'une classe où il y avait quelques musulmans et que des blancs. Et là, j'arrive dans une classe où finalement, c'était un vrai arc-en-ciel, un vrai melting pot. Et ce qui m'a le plus frappé, alors, c'était pas tant que le Malbar qui était dans ma classe, hein, mais c'était plutôt le fait qu'on pouvait, se charrier sur nos origines, sur nos cultures, sans pour autant le prendre mal, sans prendre la mouche. On pouvait appeler le gros Malbar Ganesh parce qu'il était gros, on pouvait appeler le Chinois Asia Food, ça ne dérangeait pas. Ça ne dérangeait pas, au contraire, c'était bon enfant et on pouvait se le permettre. Moi, j'avais le souvenir un an avant, en métropole, juste parce qu'une personne était blanche et l'autre était un peu musulmane, parce que dans leur croyance et dans leur culture, eh ben, il fallait se faire la guerre, eh ben, ils se mettaient sur la figure uniquement pour ça, sans plus de raison. Juste parce qu'ils étaient différents. On a cette chance à La Réunion d'avoir développé une certaine tolérance. On a l'habitude, quand on parle de La Réunion, quand on en cherche à la vente, par exemple de La Réunion Tourisme ou autre, on vend quoi? Les montagnes, la plage, le volcan. Alors je ne vous dis pas que ce n'est pas des richesses à La Réunion, mais je pense qu'on a une richesse qui est encore plus grande. C'est vous. Ce que vous avez au fond de vous. La Réunion, depuis 3 ou 4 siècles, enfin, depuis qu'elle a commencé à être peuplée, à mon sens, c'est une sorte de grand laboratoire de sociologie. C'est-à-dire que durant ces 4-5 siècles, on a réussi à développer une tolérance unique au monde. À La Réunion, je pense qu'il reste assez de culture et assez de religion pour dépasser tous les dangers sur les deux. Je peux vous donner un endroit sur Terre où juste deux cultures, enfin deux religions différentes, sont suffisantes pour qu'on se fasse la guerre. Vous imaginez ce qu'on a, nous, comme richesse? Et aujourd'hui, il est peut-être temps de partager, d'agir. Tout à l'heure, je vous ai dit que je faisais partie de chacune de vos familles. Ben, je vais maintenant vous donner la réponse. Vous savez, en l'an 1000, on était entre 250 millions et 350 millions de personnes sur Terre. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Entre-temps, il n'y a eu que 52 générations. En 52 générations, il n'y avait pas assez de personnes pour pouvoir faire toutes les personnes qu'on est aujourd'hui sur le globe. Ce qui signifie que dans cette salle, on partage tous un ancêtre commun minimum. Ça signifie que toi, tu fais partie de sa famille à elle, toi à elle, et puis moi à toi. On est tous interconnectés, on fait tous partie de la même famille. C'est pas beau? Et on va même aller un peu plus loin. Là, on est dans cette salle, on va aller plus loin, il y a des gens qui nous regardent sur Internet. Ces gens-là, on ne les connaît pas, on ne les rencontrera peut-être jamais, mais on est tous interconnectés avec eux, parce qu'on partage tous des ancêtres communs. Et quand je vois ce qui peut se passer à Paris, quand je vois ce qui peut se passer à Jérusalem, mais je me dis, mais c'est grave, on s'en prend à notre propre famille. Aujourd'hui, j'aimerais que tous ensemble, on agisse. Vous savez, ce que je fais là, c'est peut-être
10% du travail. Je vous passe un message que vous savez peut-être certainement, mais vous en rendez pas compte. Ce que j'aimerais, c'est que quand vous sortez de cette salle, vous alliez à la rencontre de votre famille. Comme moi, je l'ai fait là maintenant, vous vous présentez, vous vous racontez votre histoire, vous écoutez l'histoire de votre famille. Parce que c'est en partageant ce qu'on a au fond de nous qu'on créera la paix ailleurs. C'est en acceptant ce qu'on a au fond de nous qu'on pourra s'unir avec les autres. Je vous remercie.